tenir à exprimer vos sympathies à la famille Guimbaud, d'autant plus qu'ils m'ont fait l'occasion de côtoyer lui en 2000 et 2005, alors qu'il était dans l'ICAC. Et l'ICAC, c'était une institution qui fait tourner et qui, surtout ce début, et qui a beaucoup de critiques à l'époque. Et c'était quelqu'un qui m'a soutenu et était quelqu'un de très sincère dans son cheminement et tout le temps, il finait quelqu'un de très humble. Et ce que je retenais de lui, c'est quelqu'un de, comme on dit, un homme bon et humble. Et moi, vraiment, c'est avec regret que je apprends cette nouvelle-là et quand même me tenir à exprimer mon sympathie, non seulement à la famille, mais aussi au son mandant, parce qu'il me connaissait de quelqu'un de très, très proximité avec son mandant. Donc, c'était quelqu'un qui a avec tout le monde. Donc, pour moi, c'est un politicien qui est parti, mais c'est un homme.